Bonjour, bonjour à tous, ici Morgan von Brelan. Et on se retrouve pour une découverte de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, qu'est-ce que c'est? C'est un city builder, en tout cas un jeu de construction de cité qui est disponible pour 20€ sur Steam et sur Good Old Games, qui est tout à fait disponible en français. Qui n'est pas jouable à la manette. Faut pas déconner, c'est un city builder. Et puis à l'époque des premiers Sim City. Hein. Et donc ce Nebuchadnezzar, il est un peu particulier. Donc c'est un jeu indé. Et qui se veut être en fait le successeur spirituel des Césars, des Pharaons. Et surtout, en ce qui me concerne, du maître de l'Olympe Zeus. Alors le maître de l'Olympe Zeus. Comment dire? Si vous me demandez quel est LE jeu de mon enfance, mon jeu préféré, le jeu qui m'a le plus marqué, je vous dirai très certainement le Maître de l'Olympe Zeus. Et il faudra que ce vieux jeu qui date de 2001, il y a 20 piges donc, il tourne encore sur Windows 10, et de temps en temps j'y joue, et c'est génial, mais bon, voilà, 2001 quoi, donc, c'est la plus haute résolution, c'est quelque chose comme 1024x768, donc le machin qui est moins large que mon écran n'est haut. Et donc avec ce Nebuchadnezzar, qui comme son nom l'indique se passe donc à l'époque de Babylone, on a quelque part, pour moi, une promesse de jouer à Zeus, mais en HD. Alors, je dis ça, ça va pas être le même jeu, bien sûr que non. Mais c'est très spécial pour moi. En tout cas, je veux dire que d'emblée, ça commence bien, la musique est géniale. Il y a un support de mode intégré, c'est bien. Campagne, j'imagine. Et puis que nous or. Et que celle-là, d'accord. Néolithique pré-céramique. Waouh, la céramique, ça n'existait pas. 10 000 à 1700 avant Jésus-Christ. Ouf. Le néolithique pré-céramique a été la première. Vous venez faire commencer au néolithique. Ah ouais! La préhistoire, les copains! Objectif, 300 populations, 20 de blé et de pain, et 12 huttes. Ça va aller? Bon, je vous laisserai lire tout ça si ça vous intéresse. La pause existe. Mouraïbet. Mouraïbet est une cité antique située sur la rive gauche de l'Euphrate. Dans l'actuelle Syrie du Nord, la ville a été habitée entre 10200 et 8000 avant Jésus-Christ, à peu près. Mais bon, ça sent. Quand on tape des trucs aussi vieux, c'est toujours à peu près. Le site archéologique a été inondé par le lac El Assad en 1974. Son diamètre est d'environ 75 mètres. Entre le diamètre de la ville, 75 mètres? Ah ouais! Normal. À savoir que le maître de l'Olympe Zeus, pour le coup, les copains, je l'ai poncé, j'ai fini tous les scénarios en difficulté maximum. Le groupe nomade a vraiment trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps, une région au sol suffisamment fertile et un climat favorable, endroit idéal pour s'installer définitivement. Et toi, en tant que chef du groupe, tu auras le rôle plus important, tu organiseras la construction de votre nouveau lieu de vie. C'est parti, ok. C'est Gilgamesh. Oh oui, Gilgamesh en personne. Vous ne savez pas qui est Gilgamesh, et bah lisez l'épopée de Gilgamesh. La plus vieille chanson dont on ait des traces. C'est Tim qui peut te passer de mon aide, oui non. J'apprendrai à jouer quand même. Te déplacer. Oui, oui, je vois, il y a la minimap en bas à droite. Oh là 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 là. C'est très. Ouais, c'est. Pour le coup, ça ressemble plus à Pharaon qu'à Zeus pour l'instant. Bon, alors, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Il va déplacer les fenêtres. Ah oui, ah fermer, il suffit de faire un clic droit. D'accord. C'était pareil dans Zeus. Voilà.
J'essaie de me déplacer. Alors voilà, je me suis déplacé avec ZQSD, mais bon, moi j'ai plus l'habitude de faire en... en allant taper sur les bords de la fenêtre. D'accord, avec le clic de molette, très bien. Zoom. Et... parce que j'étais pas en pause depuis tout à l'heure. Merde, on est en mai. Comment ça on est en mai? Le calendrier grégorien n'existait pas à l'époque. J'aurais pas dit non à un petit calendrier d'époque. Si... enfin, je veux dire, s'il en existait, il en existe probablement, mais... on va pas le connaître, quoi. Accès à l'entraînement, la sensation de matière touche en France d'accélération. Ah oui, E. D'accord, ça me met en vitesse 4 pendant l'instant. Ou sinon je peux ouais, faire plus et moins. Oui, ça va. Que vous habitations. D'accord. Ah bah celle-là, clic droit, ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Supprimer bâtiment, infrastructure, logistique, maison, structure alimentaire. Bon, des maisons, les 4 maisons aussi, d'accord. Ah oui! Oh non! Oh non! J'ai voulu faire clic droit dessus pour les écouter quand ils parlent. Mais ils parlent pas. Ils sont flous. Ah, parce que, alors, vous avez entendu parler de Zeus sans cesse, évidemment. Mais dans Zeus, tous les petits mecs qui se baladent dans les rues avaient des lignes de dialogue. Ils avaient tous des lignes de dialogue et quand on leur parlait, ils disaient « Oui, oh là là j'ai faim, pourquoi il n'y a pas assez de nourriture dans la cité ?» Puis toi, tu disais « Ah ben merde, il n'y a pas assez de bouffe, du coup tu faisais gaffe, y a... puis tu faisais plus de bouffe. » Ou alors tu disais « Oui, tatati, tatata, il y a la cité voisine, ils nous cassent les couilles, on devrait leur péter la gueule. » Toi tu dis « Bon ben d'accord, je vais peut-être me faire une armée, etc. » Et des fois ils disent « Ouais, vous êtes génial, votre cité est la meilleure de toute la Grèce. Est-ce que je peux vous sucer la bite, monseigneur ?» Pas au petit ça, mais c'est parce qu'on commence. En temps normal, le premier truc que je fais, c'est raser toutes les routes et les refaire. Parce que les machins en zigzag comme ça, je suis vraiment pas fan. Qu'est-ce que c'est que ça? Une commande de base? Ah, c'est des tutos. Bon, ça va encore. Hein. Premier habitant, ouais! Attends, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Budget. Ah bah, justement, ce que je regardais. D'accord. Donc, il y a l'aide. Budget. Bah, je sais même pas si la monnaie existe. On est au néolithique. Prestige. Oui, c'est des prestiges, c'est cool, ça. Marchandise, production, utilisation, importation, exportation. La carte. Ouais, la diplomatie, oui. J'espère qu'elle est un peu mieux foutue que dans Zeus, parce que pour le coup... dans Zeus, la diplomatie se résume un peu à... il t'aime bien, il t'aime pas. S'il t'aime pas, il y a des chances qu'il essaie de te péter les gueules. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Une ferme? Oui, bien sûr. Mouin. Du coup... passer d'ouvrier, bah non, j'ai pas encore d'habitants encore. Hein. Désactiver le bâtiment, d'accord. Ah d'accord, et après faut que je fasse ça pour... faut que je clique deux fois. D'accord, du coup j'ai fait des fermes. Pourquoi exactement 36 champs? Faites de la ferme. Fermier transporteur, d'accord, donc là je vais avoir deux fermiers. Qui vont fermer, il y a un transporteur qui va se charger d'amener
la bouffe aux entrepôts quand j'en aurai un. Fait de la ferme, trois courses à la dernière, effectivement, deux fermiers. Donc la faveur gauche de leur fiche. 10 sur 10. Ah d'accord, chaque fermier peut s'occuper de 18 champs. 18 cases de champs. Du coup, x2, effectivement, ça fait 36. C'est pour que les fermiers ne travaillent pas encore. C'est un chef basé sur les codes spécifiques de l'année, oui, classique. La boulangerie. Partie illimitée. Transportation de marchandises vers les bâtiments entre les... Ah oui, ah, c'est pas mal ça. Parce que dans eux, pour le coup, des fois, les mecs, ils traversaient toute la map pour aller décharger leur barda. C'est une perte de temps monstrueuse. Et du coup, des boulangeries. Ouais. Ils ont également des entrepôts. Ici. Pour entreposer des choses. Ouais. Alors. Comment ça marche? Parce qu'attention, hein, gérer les entrepôts, c'est central dans ce genre de jeu. Ok, ça rien. Chaque entrepôt peut être confié penser qu'à certaines marchandises spécifiques. Oui, normalement, il y a 4 modes. Accepter, refuser, vider et remplir. C'est-à-dire que accepter, si un mec veut mettre deux trucs, bah, on le laisse. Refuser, bah non. Hop. Remplir. Il y a les transporteurs de l'entrepôt qui vont activement aller chercher des machins dans les autres entrepôts pour l'armée ici. Et vider, c'est l'inverse. Ils vont se vider. Se cache par du procès d'entrepôt. Ah voilà, ça c'est pour ça, ça doit être comme ça. Genre là j'accepte, là je refuse, là je demande à vider, là je demande à remplir. Je pense que c'est ça. Donc il y a du blé et du pain. Bon, on va accepter tout. On va pas accepter tout. Ici on va accepter le blé. Et ici, on va accepter le ping. Parce que comme ça, le ping, c'est ce qu'ils voulaient que je fasse. Détruire toutes les marchandises. Brûler tout le blé. On va éviter. Mais donc, je choisis cet entrepôt-là pour stocker le ping. Parce que comme ça, il sera plus proche des maisons. Pas que j'ai construire. Sans limitation cette fois. En fait, tu peux accélérer à l'été du jeu. Succès de Gourrier. Conseil de Gilgamesh 1. Ah, les succès sont pas traduits. Donc là, je viens de me planter, lamentablement. Ah, mais j'y pense déjà tout à l'heure. Quand j'appuie sur... Parce qu'en fait, ma touche pour enregistrer ou pas enregistrer, c'est moins. Et du coup... Et du coup, ça t'a peut-être un peu niqué mon... Ça t'a peut-être un peu niqué mon enregistrement. Bon, on va voir. En attendant. Ah, ça se remplit. Ouais, ça remplit. Ok. Ah d'accord, la touche E, ça quadruple la vitesse. Sur le 1, ça passe en 4, sur le jeu, ça passe en 8, d'accord. Et le voilà. Par contre, c'est flou, hein. Il n'y a pas une option comme ça dans les paramètres, normalement. Autoriser le zoom détaillé. Bah oui, mais c'est pas détaillé. C'est flou. C'est flou comme au premier jour. Ouais. D'accord. Et
Parce que, attends, comment je fais pour voir? Parce que moi, j'ai rajouté des fermiers. Ah, il n'y a pas la portée. Bah, du coup, non. Du coup, ce que je veux faire, c'est une autre ferme. D'accord, il y a des en vert, là où je pourrais faire des champs. Et en bleu, la portée de transport. Ouais, là, ça me semble pas mal. Enfin, plus, et là, tous les champs du monde. Ouais, c'est pas petit, hein. D'accord, donc en fait, trois fermiers. Ah, mais c'est parce que là, il y a des cailloux, j'avais pas vu. Je peux pas casser les cailloux. Je peux pas casser les cailloux. Bon. Je ne casserai pas les cailloux. D'accord. Je manque pas d'habitants. Niveau de chômage. Ah oui. Donc j'ai 30 gars qui n'ont pas de métier. Je pense plutôt que de faire une deuxième boulangerie, je pourrais juste ajouter des boulangers. Oh, et du coup ça m'amène à pile zéro de chômage. C'est beau ça. Ah non, ah non, j'ai un déficit de gens. Oula, 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 22% de chômage. Oula, 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 oula. Attendez. C'est un entrepôt là. Bien alors. Toi, tu vas accepter que le pain. Et toi, que le blé. Voilà, classique. C'est beau. C'est quoi cette flèche? Ah, c'est le menu, d'accord. Où est-ce que je vois mes objectifs? Ah, d'accord, c'est pour choisir ce que je vois ou pas. D'accord, je vais pouvoir. Ah, les stocks. Attends, parce que du coup, toi, t'as besoin de blé? Ah non, c'est ça. Là, il me dit que donc là, il y a en vert deux machins qui produisent du blé. Et que là, en rouge, il y en a qui, il y a des trucs qui consomment du blé. C'est les boulangeries. Il y a une boulangerie qui est pleine de blé. Et les autres qui sont vides. Afficher l'attrait. Et ben non, évidemment, j'ai affiché la pollution. Ah ! Quoi ? Quand c'est la pollution ? Pourquoi mes champs polluent ? J'ai toute la population requise. J'ai pas de blé. J'ai pas de blé. Donc là, dans une situation compliquée, où je vais péter des maisons. Hein ? J'ai pété une boulangerie. Pourquoi? Parce que comme ça je peux péter des maisons, ça fait qu'il y a moins de chômeurs. D'ailleurs c'est instantané, c'est gratuit. Il y a moins de chômeurs. Oh, tellement de pain. Alors du coup on va tester. Est-ce que je peux? Ouais, ça marche. Je crois. Ouais, mais j'ai des caravanes, comment ça me... Est-ce que mes caravanes activement se remplissent là ou... On
Bon, en fait, c'est embêtant parce que je suis en train d'accumuler plein de pain et pas de blé. Et en même temps, j'ai tellement peu de bâtiments que j'ai rien à faire faire à mes gars. Et les entrepôts, parce que ça, c'est une technique dans Zeus, c'est de construire plein d'entrepôts parce que justement, les entrepôts avaient leurs propres employés. C'est pourquoi ça? Je ne sais pas. Les entrepôts avaient leurs propres employés. Du coup, quand il y avait du chômage, eh ben, tu construisais plein d'entrepôts. Voilà, ça occupait des gars à rien glander, mais ça les occupait. Ils étaient contents. Mais là, ça marche pas. Donc ça veut dire... que j'ai juste artificiellement ajouté... Voilà, là j'ai 30 fermiers qui ne foutent rien. Ils ont zéro casque qui leur sont infectés, ils glandent. Mais ça les occupe. Ça les occupe, mais ça change la faute que j'arrive pas à. J'arrive pas à accumuler du blé, quoi. Ça paraît pas mal pour une ferme. On va péter cette route là. On va juste faire. Merde. On va juste faire de la merde, vite fait. Comme ça pour voir. Je vais juste cliquer dessus. Comme ça après. Par toi. Oh. Et bien il faut des fermiers de plus. Et il va me falloir. Un entrepôt. Et une boulangerie. Et il va me falloir davantage d'habitants. C'est pas un problème. On va juste faire quelques maisons. Avec prudence. On fait attention à la courbe de chômage. Oui, mais je sais ça. J'aurais bien aimé. Moins de 10. Attends, moins de 10. Donc d'ouvriers manquent. Ah, il manque 10 ouvriers. On va faire une maison, là. Je suis. Ouvriers encore. Ah non, d'accord, j'avais 10 ouvriers en trop. Ah oui, c'est vrai que c'est en négatif, c'est complètement con. J'ai moins. En fait, faut voir le jeu comme ça. J'ai moins 40 ouvriers manquants. Ce qui veut dire que j'ai 40 glandeurs. Oh, sais pas ce qu'ils disent, mais je suis sûr que c'est très intelligent. Bon, accélérer là. Victoire! Ouais! Mission suivante. Population 900 et 16 maisons modestes. Ah! Encore une fois, lisez si vous voulez. Tel Aswad. Tel Aswad est une grande zone de peuplement ancienne située à environ 50 km de la ville actuelle de Damas, en Syrie. Cet endroit est habité entre 8700 et 7500, moi j'y sais. Le site archéologique a été découvert en 1967 et présente un diamètre d'environ 250 mètres. Tel Aswad présente une importante fenêtre sur le PPNB. Sur le quoi? En particulier, sa façon dont l'organisation du travail et de la société ont évolué sur cette période. Sur le PPNB? C'est quoi le PPNB? J'ai cherché vite fait sur mon téléphone.
BNB. Voilà, ça charge. Nous avons nos habitations. Ah, ça y est. Prends ça, partie gauche de la fenêtre. Alors, Mondo, on veut du pain et du lait. Ok. C'est ça. Donc de base, ma hutte, c'est une hutte de merde niveau 1. Tu peux avoir 30 habitants. Et si je leur fournis suffisamment de pain et de lait, ils vont passer niveau 2, ce qui leur permettra d'avoir 62 habitants et ils me rapporteront 3 balles d'impôts. 3 balles par mois, j'imagine. Et les gens consomment continuellement du pain et du lait, à la surprise d'absolument personne. Construire un marché dans la zone. Un marché, là, ça fait 30. Là. Ah, mais il a pas la portée. Eh, super. Et je sais, je l'ai fait, ça. Ah, faut choisir donc une vendeuse de pain et une vendeuse de lait. D'accord. Du coup. Une ferme. Une ferme. Une ferme. Ouais. Une ferme ici. Avec un collecteur de plus, parce qu'on va mettre plein de champs. Plein de champs. Plein de champs. Encore plus de champs. Ouais. Bon. Ensuite, on veut, je sais pas pourquoi je parle comme ça, un entrepôt. Cet entrepôt et qui va stocker et que le blé pour ensuite on se déchemin comme ça ensuite arriver la boulangerie. Voilà, c'est une boulangerie, il boulange ardemment et à côté un autre entrepôt qui lui va stocker tout sauf du blé. Maintenant, on va faire une ferme de bétail. Ferme de bétail. Oui, ici, les pommoles. Des pâtures de chèvres. On va mettre aux chèvres de quoi pâturer. Voilà. Ça pâture dur ici, hein. Ça pâture. Ça n'a pas l'air de beaucoup pâturer. J'ai fait un truc qu'il fallait pas. Non, ça s'est rempli. Point d'interrogation, qu'est-ce qui t'arrive toi? Ah, t'es triste parce que t'as pas de quoi... Ouais, en même temps, le jeu m'a un peu demandé de te mettre dans un endroit pourri. Donc on va foutre un autre marché là. Avec une vendeuse de pain et une vendeuse de lait. Et toi, t'as bien le droit de mourir. Point d'interrogation. Bah évidemment ils sont tristes parce que. Attends. Ah.
flash news. Les chèvres, ça pousse pas sur le sable. J'espère que vous êtes aussi choqués que moi. Alors, une ferme de bétail. C'est pas grave, on apprend. Qui passe dans un mauvais endroit parce qu'il y a beaucoup de sable. Et là, il y a beaucoup d'herbe. On va mettre un petit chemin de terre ici. Et plein de pâturages. Ah, ça pâture sec, hein. Oh là là là, parfait. Parfait. Son troupeau là, il a porté. On va supposer qu'il a porté. Ah si, il y a moyen facile de vérifier. Si je fais comme ça, ouais, ça a porté. Ajouter. Ah, je lui fais faire ses trajets. Ouais. Ah, je définis leur trajet, c'est vachement bien. Et du coup, il est là. Elle trajette. Elle livre. Pas grand chose, hein, parce qu'on vient de commencer. Ah, là, c'est pareil, les champs, ils font rien. Les champs, là, font rien parce que j'ai été un gros débilus qui a planté ses champs dans le sable. Et à la surprise de personne, ça marche pas. Il y a du poisson ici. Je peux pas faire des poissonneries. Non, je peux pas. Triste, hein. On aimerait beaucoup. Mais on peut pas. Un boulanger de plus, s'il vous plaît. Du coup, on a de nouveaux habitants qui arrivent. Et du coup, on a de nouveau un chômage insupportable. Et du coup, on va faire une ferme de blé. Là, il est pas mal, je pense. Alors, on lui fait un petit chemin ici. On lui fait tous les champs du monde. Sauf là, parce que ça marche pas. Évidemment, il n'y a pas assez de gens, du coup, on ajoute un producteur. Oh là là là. Pas assez d'ouvriers. Oui, mais c'est pas grave. Gros champ, hein. Wouh! Ça va produire, les copains. Un entrepôt. On va accepter d'entreposer tout. Voilà. Évidemment, la boulangerie qui va avec. Et du coup, j'ai plus assez d'habitants, mais c'est pas grave, parce qu'on va produire plein de trucs et les maisons vont grandir. Quoique, en vrai, c'était peut-être pas le pain la priorité. Marcher sans gens, parce que comme ça les autres. Oui, oh là là, on a passé l'habitant, on est triste. Bah, vous avez qu'à habiter plus fort. Non, ce que je viens de dire n'a pas de sens, pourquoi ça en aurait. Oui, alors mollo sur le. Voilà, tu vas stocker 8 de lait, le reste tu seras gentil d'envoyer de l'autre côté. Ah! Les gens quittent la ville. Ah! Oui,
Oui, mais c'est à cause des laitiers là, ils font chier à. Non, c'est bon. Les gens reviennent. Ça l'aide, mais ça l'aide pas fort. Ils arrivent d'où? Ils arrivent d'en bas? Ils repartent en haut. C'est quand même une petite map, hein. Pas beaucoup de place, hein. Va falloir plus de maisons, hein. Hop là. Plus de maisons. Oui! C'est zigzag. C'est immonde. Et on va se faire une ferme de bétail. Là? Non. Là? 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 Là, c'est pas mal, là. Barrez-vous les arbres. J'ai besoin de bétailler. Ah, je peux pas! Le trou d'eau m'en empêche! C'est à cause de cette salope de route. Barre-toi! Tu pompes mon espace. Allez. La Morgane, il est content. Il leur faut peu. Alors. Écoutez, c'est pas beaucoup, mais c'est du travail honnête. Il va nous falloir plus d'entrepôts. Il va nous falloir une route. Là. Et on va entrepoter. Là. Entrepote? C'est entrepote. Ah, ça entrepote bien. Oui, d'ailleurs. 60%, 100%. D'accord, donc. Production, utilisation. Ça veut dire quoi? Estimation de production annuelle, la consommation de chaque type de marchandise à un heure court. Pose que tu es en train de déposer ses ouvriers et qu'il n'y a pas de retard dans les transports. Ça, j'ai fait. Bon, deux carrioleurs, une carrioleuse de pain, une carrioleuse de lait. Ah merde, eux ils sont pas carriolés. Et bah, sucks to be you. Sucks to be you, ou comme on dit en bon français, che! On va faire un effort. Faire genre deux maisons là. Et celle-là, on la rase. Gamèche vise 2. Ouais! Il manque encore des habitants, mais c'est pas grave parce qu'il y en a plein qui arrivent. Boum, boum, boum. Question de verrouiller. Ok! Ça m'énerve pas mal tout ça. Mais elle a pas mal ce jeu. Ah oui, en fait, ma recherche. Ça charge un jour. On avance alors, ce que dire, PPMB. Pourquoi ça marche pas? C'est quoi ce beau gel? Est-ce que je vais arriver un jour à savoir ce que veut dire PPNB? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tous les cas, le week-end des arts, ça a l'air pas mal. C'est de la merde! Ah, ça y est. Ah, d'accord! Le néolithique pré-céramique B. PPNB. Pour l'anglais, Pre-Pottery Neolithic B. Ah, d'accord. Ça, c'est nous, ça. Ça, on y est, là. On est au PPNB.
quel enfer. Bon, et bah dans tous les cas, on va se dire au revoir à tous et à la prochaine. Je me rends compte qu'il manque un truc à ma vidéo. Mes impressions, peut-être. C'est une vidéo découverte. Et bien, mes impressions, c'est sympa. Moi, je vais continuer les tutos, la campagne tuto dans mon coin pour débloquer tous les trucs, l'attrait, la pollution, la polytech, ce genre de choses. Et peut-être, grand peut-être, je ferai une série sur ce jeu. Peut-être, ou peut-être que j'en ferai une sur le maître de l'Olympe, si j'arrive à l'enregistrer. Ça, c'est un moins. C'est quelque part un plus gros peut-être, parce qu'il y a moins de chances que j'arrive à enregistrer Zeus. Et c'est un moins gros peut-être. Parce que Zeus, c'est l'avantage d'être un jeu que je maîtrise déjà à la perfection. Donc, faire une série dessus quelque part, à voir. Peut-être. Peut-être. Et dans tous les cas, on verra tous à la prochaine, quoi.